après 4 jours dans le désert à faire du camping puis du trekking, il fallait bien revenir à la civilisation. Et on a décidé de visiter quelques villes. Et la ville la plus proche du désert du Wadi Rum est... Aqaba. Aqaba! Disons que la Aqaba que j'ai vue était bien différente de celle du temps de Laurence. Beaucoup de boutiques, beaucoup de commerces, très touristique. Mais il y avait quand même aussi de très belles mosquées. Hugo, chez le barbier à Aqaba. Évidemment, 4 jours dans le désert, on se rase pas. Alors, je suis allé me rafraîchir un peu. En tout cas, tous ceux qui avaient peur pour moi en Jordanie, vous voyez là, moi j'avais totalement confiance à un monsieur avec une lame bien aiguisée. Ah, mais c'est un gros but, hein. On le sait, parce que right now I don't see anything. Allez, wow, wow. Ouais, on montre un peu, mais en face de la caméra. Aïe, ah, yeah. Ah, bon, oh, le beau gosse. Propre et bien rasé, c'est le moment idéal pour la mer Rouge, la plage et les filles en bikini. Bon, évidemment, il n'y a pas vraiment de filles en bikini en Jordanie. La mer Rouge n'est pas tellement large et elle offre une vue sur 2 pays différents. L'Israël et l'Égypte, qu'on voit de l'autre côté. Bon, il y a quelques membres de mon groupe qui se sont baignés, mais moi j'ai préféré laisser faire. La plage était pas mal sale, puis il y avait des usines pas tellement loin. Mais il y avait quand même de très bonnes prises de vue à faire. On a passé qu'une seule journée à Aqaba. Dès le lendemain, on a repris l'autobus pour un voyage de 5 heures vers la capitale, vers la ville de Amman. Amman, c'est une ville immense, là où les nouveaux gratte-ciels côtoient les mosquées géantes. Perché au-dessus de Amman, il y a une ancienne citadelle romaine. On apprend, entre autres, que Amman s'appelait à l'époque Philadelphie. La citadelle nous offre une vue très intéressante de la capitale. On redescend et on arrive au centre-ville, là où les rues commerciales côtoient les mosquées. Je trouve ça bizarre, moi, que les mosquées ont toutes des néons verts comme ça. C'est pas juste à Amman, c'était la même chose à Petra et à Madaba. Faudrait que quelqu'un m'explique pourquoi les néons verts. À Amman, il y a aussi plusieurs marchés de fruits et de légumes. Je me suis presque laissé tenter par ces dattes qui ont vraiment l'air délicieuses.